Bonjour à vous tous, amis bricoleurs. Après un mois d'utilisation d'intérieur, ça se passe très bien. Les cendres s'enlèvent facilement. Et l'intérieur n'est pas trop sale. Pour chauffer de l'eau, je vais enrouler un serpentin de cuivre de 10 mètres autour d'un extincteur pour avoir la forme que je vais insérer après à l'intérieur de mon poêle autour de la cheminée centrale. Super. Yes. Alors pour l'étanchéité, je vais utiliser des raccords à olive. Donc, mais ça comme ça. Là, il y a une olive qui va être serrée et qui va rendre étanche le système. Hop. Voilà. A priori, ça, c'est bien étanche. Ça, c'est l'entrée d'eau sanitaire. Je vais faire un trou aussi diamètre 16 pour la sortie d'eau. Au milieu, parce qu'en haut, ça sera peut-être très chaud et en bas, très froid. Donc au milieu, tiède. Je mets un joint ici. Hop. Toc. Et après, je vais visser ça de l'autre côté. Voilà donc, une entrée d'eau sanitaire, une sortie d'eau sanitaire, et là je vais faire deux trous sur le côté, un qui va vers le serpentin, et l'autre qui revient du serpentin. Allez. Voilà. Je vais stocker l'eau chauffée dans cette poubelle, et du coup je relie le serpentin à la poubelle avec deux flexibles. Celui du bas va alimenter le bas du serpentin, va remonter, se chauffer et ressortir par là pour arriver en haut. J'aurais pu mettre la poubelle en hauteur et l'eau chaude serait montée toute seule en entraînant l'eau froide et ainsi de suite. Mais j'ai pas envie de suspendre cette poubelle de 100 kg, 100 litres en hauteur. Donc je vais plutôt utiliser pour faire la circulation un tout petit moteur de quelques watts, 12 volts, qui résiste à 100 degrés parce que c'est un petit circulateur. Fait pour du chauffage solaire, donc jusqu'à 100 degrés. Avant de mettre le feu, je vérifie que c'est étanche. C'est parti. Super. Au bout d'une demi-heure, l'eau en bas est à combien? À 11, 5, et en haut, elle est à 35. Donc on a pris déjà plus de 20 degrés. C'est très agréable. On l'eau. Là, ça sort carrément chaud ici. Et l'eau à l'intérieur est à... Donc elle rentre. L'eau, elle rentre à 33 et elle sort... à 44. Elle prend 10 degrés par tour.
à 40. 40 degrés? Pas trop chaud, pas trop froid? Non. Impec? Impec. Papa? Oui. Est-ce que tu pourras faire une piscine chauffante? Une piscine chauffante? C'est pas mal déjà ça, non? C'est trop petit. Trop petit, il me fait rire toi. Tu sors de l'eau ou pas? Non, d'accord. Tu sors, j'ai l'impression que ça fume la l'eau là, non? Non. Tu peux mettre un peu d'eau froide, s'il te plaît? Ah, c'est bien comme ça. Merci.